bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourriez-vous épouser un sans-papier? J'ai déjà réalisé ces thèmes. Aujourd'hui, c'est une deuxième partie en tout cas. Lâchez un gros pouce bleu si c'est comme ça que vous plaît. D'ici là, portez-vous bien. You ready? Salut les filles. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec qui? L'autre fille. Ah ouais, t'es d'où? Je suis marocain. Marocain. Ah ouais, c'est ma première fois d'entendre ce nom. C'est rare. Hein. C'est très rare, ouais. Ah ouais, c'est-à-dire quoi? Je sais même pas. Mais c'est vrai. C'est mes parents et ils étaient en galère de prénom. Ils ont ouvert l'annuaire, ils se sont dit, allez, l'autre fille, c'est bien. Ah ouais. Et alors la question, c'est de savoir, est-ce que tu te vois sortir avec une sans-papier? Ouais, enfin, ça dépend, je m'en fous. C'est pas un prérequis quoi, je m'en fous. Les papiers, c'est pas un papier qui définit la personne. Ouais voilà, c'est si tu t'entends bien avec la personne. Après, genre faut pas qu'elle me le cache. Ah ouais. Faut que. Mais après au début c'est chaud, tu vois, au début elle peut pas te dire non j'ai pas de papier, peut-être tu vas pas vouloir d'elle, tu vois. Ouais, ça peut faire peur. Après, ça dépend vraiment de ta relation avec la personne. Si tu t'entends bien avec elle et que tu vois que c'est pas un point qui va bloquer quelque part dans la relation. Vous êtes de quelle origine? De la Guadeloupe. Pourriez-vous vous marier avec un sans-papier? Bah, si c'est par amour, oui. Par amour, oui. Toi également? Bah oui. Ok. Si je rencontre, peu importe qu'il y ait les papiers ou pas, après on avise. Bah ça dépend s'il y a de l'amour, oui, mais pas. Ouais, non, pas comme ça, non. Bah, on se met toujours en couple s'il y a de l'amour quand même. Non, c'est très bien que s'il y a des mariages, non aussi, donc. Non. Quelle origine? Espagnole. Espagnole. Est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier? Non. Franchement, non. Non, carrément. Ouais, non. Et pourquoi? Parce que je dis pas que l'amour, ça dépend de l'argent quand même, mais il y a un minimum à avoir. Minimum à avoir? Ouais. Non, quand il n'a pas de papier, c'est chaud pour lui. Ouais. Bah, je sais pas, une relation, ça se fait à deux. Faut qu'il y ait un minimum de cohérence entre les deux. Faut qu'on ait pas le même salaire, mais faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, quoi. Ah ouais. Si genre un jour je suis millionnaire, je pourrais pas être avec un sans-papier. Et si je suis SDF, je vais pas me mettre avec un milliardaire, quoi. Ah ouais, mais vous pouvez aussi l'aider d'avoir ses papiers. T'es française? Oui, je suis française. Ça peut arriver, c'est possible de le faire, non? C'est possible. Tant qu'il y a l'amour, je sais pas trop. C'est. Franchement, je dirais plus non. Mais après, on sait jamais, hein. Mais je suis plus sur non quand même. C'est tendu quand même, sans papier. Bah, comme ça. Je sais pas, ça dépend, genre si je connais bien la personne ou pas, alors. Enfin, je sais pas, j'y avais pensé à cette question. Je pourrais pas. Non. Un homme en situation irrégulière pour vous, non. Hein? Négatif. En situation irrégulière, vous pouvez pas. Non. Et quelle est l'origine? Libanaise. Est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier? Ouais, s'il a pas de papier et que je suis amoureuse de lui, oui, bien sûr. Bah, si je l'aime, oui. Oui. Ouais. Non, sans problème. Je pense que je l'ai déjà. Fais déjà. Tu l'as déjà fait. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé actuellement, je sais pas, les jours passés de sortir avec un sans-papier? Pas que je sache, parce qu'en général, quand je sors avec quelqu'un, je demande pas ses papiers. Mais les personnes même plus que. Plus tard, peut-être qu'il n'avait pas de papier, mais du coup, il t'a dit. Non, c'est pour l'instant. Peut-être à l'époque, parce que c'est vrai, il avait. Enfin, je suis sortie, ouais, avec un sans-papier, je m'en souviens, c'était un Sénégalais. Et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que bah, dans notre relation ça aille plus et qu'on ait mis fin, mais ça n'était pas en rapport avec ses papiers. Avez-vous un message à faire passer à une personne qui te regarde là, s'il n'a pas de papier? Bah, d'avoir toujours l'espoir qu'on puisse les accueillir avec dignité, de ne pas se laisser aller et puis de penser qu'il y a toujours... quelqu'un un jour qui peut peut-être aider et respecter leur trajet, voilà. Force à vous les gars, ça viendra les papiers. Il n'y a pas que les gars. Et les filles. Ah ouais. Et plus de gars quand même. Je sais pas, courage. Enfin. Courage à lui. Courage. Alors là, un message à un sans-papier qui vous regarde. Alors là, bonne question. Alors là, aucune idée, sincèrement, aucune idée. Quel genre de message Un encouragement pour vivre ici? Non, je sais pas. Sincèrement, je vois pas quel genre de message je pourrais transmettre à un sans-papier. Bats-toi pour les avoir, si t'en as vraiment envie. Enfin, genre, je veux dire, il y a aucune raison de... Je sais pas, quand on veut quelque chose, on les a, donc il faut se battre.
Et tu as un message pour le gouvernement français, pour ceux-là qui n'ont pas de papier, ils sont en train de souffrir. Bah, je pense qu'on perd un peu de notre historicité de terre d'accueil. Pour moi, ce qu'on a vu, le mélange et les amalgames entre les différents migrants et puis la façon dont on a limité cet accueil, où on s'est comporté sur des camps de réfugiés qui avaient une réelle menace sur leur vie ailleurs, c'était pas très, très glorieux pour moi en tout cas. Je pense que le gouvernement français devrait renforcer ses actions pour donner les papiers aux sans-papiers. Je vous remercie. Je pensais que j'allais devoir dire un mot pour les gens qui veulent les papiers. Bon, tu te mets en couple avec un gars, au bout de 3 mois, il te dit que non, il n'a pas de papiers. Quelle serait ta réaction? Mitigé, quoi. Alors, en mode c'est quand même le mensonge, genre ta relation est censée être basée sur la confiance, après ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas trop comment je réagirais. Si c'est arrivé, sinon ça passe, pas de problème pour vous. Bah je sais pas, ça dépend de la personne, genre... Quand tu parles de ça dépend de la personne, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, si ça fait 3 mois et que c'est le big love, bah je t'en fous. Genre si c'est 3 mois et que c'est pas le big love, je dis en plus tu m'as menti. Alors ça fait moins bien passer quoi. Je serais un peu surprise, je lui demanderais pourquoi il m'en a pas parlé avant. Puis après, je pense que j'essaierai plus. En fait, si tout se passe bien entre nous et que c'est pas justement par intérêt qu'il est avec moi, je pense qu'il n'y aurait pas de soucis de ce côté-là. Donc, voilà. Bah, je vous remercie. De rien, pas de soucis.